Mars 2014, 10 ans que Nougaro nous a quittés. Samedi, Odissu de Blagnac rend hommage à l'artiste toulousain à travers une exposition consacrée aux divers domaines artistiques qu'il a explorés. Sur place, dès 14h, Lina propose des centaines d'archives vidéo et audio, des plus connues aux plus rares et insolites. Au programme de cette journée, également des conférences, des projections. Hélène Nougaro, dès 18h, qui dédicacera son livre Claude Nougaro. Enfin, la journée se clôturera par un concert réunissant plusieurs chanteurs et musiciens toulousains tels qu'Hervé Suhubiette et le quartet jazz Pulcinella. Tous revisiteront le magnifique héritage laissé par le maître. À noter, hélas, que le concert est complet. À peine une quinzaine de représentations depuis son lancement et déjà 7000 spectateurs ont assisté au nouveau spectacle du Casino Barrière de Toulouse, bâti autour des plus beaux duos. Mise en scène par Gilles Ramade, 14 artistes, chanteurs et danseurs interprètent quelques-uns des plus grands succès des années 70 et 80, tels que « J'ai un problème » de Johnny et Sylvie. À voir en dîner-spectacle dès 20h30 ou cocktail-spectacle un peu plus tard à 21h. Duo d'enfer, c'est tous les vendredis au Casino Théâtre Barrière de Toulouse. Changement de rythme et de registre avec Griefjoy, groupe pop-rock teinté d'électro, originaire de Nice, en concert ce soir à 20h au Saint-Dessin, place Saint-Pierre. Moyen d'âge 22 ans, les quatre artistes sortis du conservatoire de Nice et de la musique classique ont trouvé leur voix dans l'électro, entre douleur et joie, comme le nom qu'ils se sont donné. Les mélodies de Griefjoy sont festives et mélancoliques. Planant, dansant, Griefjoy a sorti son premier album éponyme en septembre dernier.